chaussure de pupitre qui n'a pas été inventée par et pour les femmes, n'est-ce pas? Oui, le pupitre est derrière. Non, ouais, j'ai l'impression d'être assis sur une petite chaise à table, quoi. Bon, alors, bonjour à toutes. J'accorde, hein, on est plus nombreuses, tout ça. Donc, mon livre que je vous propose à ma table là-bas, il n'est pas au stand de la librairie, mais j'en ai à ma table. Il s'appelle Contes à rebours, et au départ, c'était un spectacle, c'est toujours d'ailleurs un spectacle. Et puis, ce spectacle, il a tourné partout, et il continue, un peu partout en France, en Belgique, au Québec. Et on m'a demandé souvent, est-ce qu'on peut avoir le texte pour le relire, parce qu'un spectacle, ça va vite. Et donc, le livre est paru. C'est un recueil de ce qui se passe sur scène. Et c'est un texte donc, où je me suis autorisée à écrire à ce que j'ai inventé, que j'ai appelé la féminine universelle, c'est-à-dire la fête de parler uniquement à la féminine. C'est très agréable à l'oreille et à la langue aussi, je vous la conseille, ça fait toujours sa petite effet. Je me suis autorisée à ça parce que j'ai eu la joie de rencontrer et de lire les travaux d'Eliane Viennot et d'Aurore Hébin et que donc je me suis dit, eh ben, allons-y, puisque le monde entier fonctionne au masculin dit universel. Moi, je suis une artiste, je propose ce que je veux, et donc je propose d'ouvrir nos oreilles et nos yeux à un autre horizon, d'accord, à la féminine. Et dans ce livre de Contes à rebours, je reprends les contes qui forgent l'imaginaire de notre enfance, qu'on le veuille ou non, hein, depuis que l'empire colonial Disney est passé partout. Je les remets à l'endroit, je donne la parole aux héroïnes que nous connaissons et qui viennent raconter leurs histoires à l'endroit. Ce spectacle continue à tourner. J'en ai deux autres, des spectacles féministes. Il y en a un qui s'appelle « Opinion d'une femme sur les femmes », qui est une autrice du matrimoine, penseuse, philosophesse, oui, il y a fait en philosophesse, remettez-vous, et qui était également journaliste politique, qui s'appelait Fanny Raoul et qui a écrit en 1801 un texte qui aurait pu être écrit la semaine dernière, ce qui est à la fois émouvant et désespérant, qui s'appelle « Opinion d'une femme sur les femmes » et où elle vient faire un manifeste féministe totalement d'actualité et brillant. Et puis, il y a un troisième spectacle qui est né en mai, qui s'appelle « La péril mortelle », parce que j'étais très agacée par l'Académie française qui avait dit que l'écriture inclusive était un péril mortel pour la langue française, hein, toujours dans la demi-mesure, les immortels. Et donc, ça m'avait agacée. Et là, j'emmène tout le monde dans le spectacle. C'est un one feminist show. J'emmène tout le monde en matriarcat, où la féminine l'emporte sur la masculine depuis la nuit des temps. Et on ne trouve absolument pas ça grossière. Et je viens en Aline Finkielkraut, tout ça. Donc, je vous encourage à... Je vous encourage à retrouver les dates et puis un endroit pour recevoir ma newsletter à ma table. Enfin, voilà. Il y a des extraits sur YouTube, tout ça.